Eh bien bonjour à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Fortnite, mais il y a un petit truc spécial. Comme vous l'avez vu dans le titre, les frérots, je suis tombé contre Gotaga en arène 1v1. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as tué ou tu l'as pas tué? Faut nous dire là. Calme-toi mec, calme-toi, je vais tout expliquer. Assis-toi bien sur ton siège. Gamer, bien évidemment. Tu mets ton petit casque, comme ça t'écoutes bien ma vidéo. Et t'oublie pas de mettre le code créateur UMS dans la boutique d'objets sur Fortnite, bien évidemment. Voilà. Code créateur UMS. Tu cliques sur accepter. Hop là. Créateur soutenu UMS. Et bien évidemment, t'achètes les nouveaux skins de Marvel. Les skins Avengers, qui sont macha luxe. Ils sont juste incroyables. Voilà. J'ai tout acheté, bien évidemment. J'ai acheté le skin. J'ai acheté la pioche. Regardez les styles qu'il y a sur le skin. Ils sont incroyables. Les cheveux blonds. Et les cheveux roux un peu peut-être. Bref, oublie pas, code créateur UMS dans la boutique d'objets. Si tu veux avoir un max de shield, bien évidemment. Ok les potes, du coup on est parti pour un petit retail row. Et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour tomber nez à nez contre Gotaga en arène les frérots. Et voilà ce qui s'est passé, tu vois. Est-ce que je l'ai tué? Est-ce qu'il m'a tué? Est-ce qu'on s'est même pas battu au final, tu vois? Juste on s'est croisé. Donc voilà, je vais tout vous expliquer les frérots. Parce qu'en plus ce qui est bien c'est que j'ai tout filmé. Tu vois, j'ai filmé tout le fight. Et en plus, il y a également son point de vue à lui. Donc en gros voilà, vous aurez les deux points de vue du fight qu'on a fait. Et du coup voilà. Alors je vais juste essayer déjà de faire un petit spawn maison niche. Je vais prendre la PM verte au-dessus du tacos là. Voilà. Parfait. Il n'y a personne qui a les maisons niche. Super, ça me fait plaisir. Maintenant qu'il y a eu le sous-sol, elle est trop bien cette maison. Hein. Elle est trop bien. Oh le pompe chasseur. Oh let's go le pompe chasseur qui fait plaisir. Le skin des mecs, il est tellement beau gosse en vrai. Tellement beau gosse le skin. Oh là là là, il est macha luxe le skin. Je tue les gens qui sont arrêtés, les potes, comme ça après on peut discuter tranquillement. Ou bien je me fais tuer. Qui sait, j'espère pas. Ça serait pas cool en vrai, s'il me fait tuer. Oh, il est en dessous. Il a mis un ballon. What the fuck? Pourquoi il fait ça? Qui s'est barré? What? Hop là, le moins de sang. Ouh, qu'est-ce qu'il doit faire mal ce moins de sang. Oh, ce moins de sang, il doit faire bobo en vrai. Hein. Oh, j'aurais pas aimé me le prendre. Hein. Ah, là-bas, il y a un mec. Attends, parce que là-bas, il y a un autre mec. Oh, mini-pot, let's go. Ça fait plaisir. Il est pas sûr le mec était là. Ok, il est là. Je vais spawn sur cette maison. J'espère qu'il m'a pas vu. Et il m'a vu, il m'a vu. Ok. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, mec? Alors du coup, comme vous devez le savoir, il y a le mode arène sur Fortnite, Battle Royale bien évidemment. Et en gros, il y a différentes divisions. Donc en gros, c'est différents, on va dire, classements, différents rangs que vous devez atteindre en gagnant justement des points au cours des parties. Et la division la plus haute, c'est la division champion que vous atteignez quand vous avez 300 points. Voilà, 300 points. Et il s'avère que moi et Gotaga, du coup, je présume, on était dans la division champion. Et du coup, tu vois, je lance ma game, tac, je joue, hop, 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 hop. Et là, je me retrouve ici, à côté de Retail, tu vois, dans cette maison-là. Enfin, vers cette maison-là, ouais. Et là, j'entends un mec venir sur moi en plein. Je fais, oula, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je vais sortir, gros, ça va être la bagarre. Du coup, je sors, tac, hop, on se rencontre. Et là, je le vois dans les airs. Du coup, je décide de commencer à fight. Et là, les potes, je vais vous laisser voir ce que le fight a donné. Simplement de mon point de vue à moi. Après, je vais vous montrer bien évidemment son point de vue. Mais voilà, moi, je vais vous montrer déjà ce que ça donne de mon point de vue tout de suite. Du coup voilà, vous avez vu que je l'ai mis pas mal l'OHP avant qu'il arrive sur le lieu de fight, on va dire. Avant qu'il arrive à terre quoi. Et du coup, comme j'ai mis l'OHP directement, hop, je suis rentré dedans, j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit que c'était un free kill quoi, à partir du moment où il était l'OHP. Et du coup voilà.
Alors je sais qu'il y a des gens directement qui vont dire Streamhack, que j'ai regardé sur son stream où il était, etc. Parce que oui, il était en stream à ce moment-là, en fait. On me l'a dit après, après que je l'ai tué. Parce que moi, en fait, quand je l'ai tué, je ne me suis pas rendu compte, tu vois, que c'était lui. Parce qu'il avait le mode streamer, du coup, on pouvait pas voir son pseudo. Et après, tu vois, je me suis rendu compte qu'il streamait. Alors pour ceux qui diraient Streamhack, bah pas du tout, en fait. Je savais pas du tout que c'était lui. Je savais même pas, en fait, qu'il streamait, voilà, pour vous dire. Et en plus de ça, c'est lui qui est venu sur moi. Tu vois, c'est pas moi qui est allé sur lui. Donc, ce serait un peu illogique de dire que j'aurais Streamhack, tu vois. Enfin bref, maintenant je vais vous montrer le fight de son point de vue à lui, de ce que ça donnait en fait de son point de vue tout simplement. Parce que il streamait du coup, j'ai pu avoir un clip du fight. Et du coup je voulais voir ce que ça donne de son point de vue tout de suite. Sur un malentendu. Ah c'est la merde. What? C'est... Ah je suis mort. Ah il est encore plus mort. Comment il est passé dans mon truc? Il est passé à travers le wall? Ouais, je vois que ça, il était... Ok. Ouais, je me suis enculé là. Alors là, comme vous l'avez pu le voir, il s'est un peu fait Fumax, on va pas se mentir, parce que quand il est arrivé, je l'ai vraiment énormément laser. À un moment, il s'était pas cover aussi, j'ai réussi à lui mettre pas mal de balles. Mais en tout cas, voilà, gros GG à lui, c'était un plaisir. Si Gotaga, tu passes par là, quand tu veux, on fait un AV5, mec. Un petit AV5 build fight, tu vois. Quand tu veux, frérot. Mais en tout cas, gros GG à toi, parce que c'était pas du tout prévu. Et en vrai, c'était cool. Tu vois, ça fait plaisir d'avoir un VA Gotaga. Oula. On m'a snipé là. Hein. Ah, là-bas. Salut, mec. Ça va? Ça va ou quoi, gros? Tranquille? Tout se passe bien? Oula, il m'a mis des bonnes balles quand même, hein. Il m'a mis des bonnes balles, le mec, hein. GG à toi, mec. GG à toi, parce que tu m'as mis des sacrées bonnes balles. Ah, mais t'avais un space. Ah, ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi est-ce que tu m'as mis des bons dégâts. Damn, dude! Let's go! Le petit noscope qui passe. Au calme, mec! Au calme, le petit noscope! Et ouais, mec! On fait pas les choses à moitié ici, mon petit pote! Quel mec il est en dessous? Ah, il casse où? Il se prend pour un joueur pro, vous pensez? Je sais pas ce qu'il essaie de faire là, mais... Oh non, il a tellement de chat. Oh, ce qu'il m'a mis comme balle, mec. Ah, il m'a mis des balles. What the fuck, les balles qu'il m'a mis, mec. Et j'ai même pas de quoi me une, mec. Oh, ça va être tendu, là. Ça va être tendu du slip au niveau de la ville, hein. Ah, je l'ai one shot. Ok. Vas-y, hein. Ça fait plaisir, les one shot de colis. Oh, let's go, le gros shield. Ça fait plaisir. Le gros shield, il fait plaisir, tu vois. What? T'es où, mec? Il a voulu faire quoi là? Il a voulu faire quoi, les mecs? Ou c'est quoi? Vas-y, je vais aller le fight parce que nous on n'est pas des peureux.
j'ai flippé. Il a failli me trapper le mec. Oh là là, j'ai tellement flippé. Oh merde, le mec il est au-dessus. Il a failli me trapper, mec. J'ai tellement flippé. Bon, j'ai dit un piège et un trickshot. On essaie de trickshot ou pas? Oh putain, il aurait montré sa tête, mec. Enfin, pas trickshot, je pense. On va juste essayer une endoscope en vrai. Trickshot, c'est chaud. Parce qu'il a un barrette en fait, aussi, c'est ça le truc. Oh, j'aurais tellement pu le trap tellement de fois là par contre. Oh non non non. Je vais mourir. Bon, je voulais pas perdre. Je voulais pas perdre les mecs, je vais pas vous mentir. Que je voulais quand même faire le top 1 les frérots. Et oui, ça fait plaisir. J'essaie de trickshot. Enfin, j'ai essayé de noscope, mais c'est pas passé. Du coup, je me suis dit, ouais, oh, j'ai pris cher quand même. On va sécuriser le top 1. J'espère que ça vous a plu, les frérots. J'espère aussi que le petit fight contre Gotaga vous a plu. Voilà, gros GG à toi si tu regardes la vidéo, même si je pense pas que tu vas la regarder. Hein, on va pas se mentir. Mais voilà, sur ce, les potes, n'oubliez pas le code créateur UMS si vous voulez avoir un maximum de shield dans vos prochaines games. Sur ce, je vous laisse. Très bonne journée, très bonne soirée. Peace, peace, peace. Bisous à vous.